Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 24 septembre 2012. Alors difficile de ne pas consacrer cet édito à la nouvelle apparue sur les réseaux sociaux et qui a suscité déjà pas mal de satisfaits dans la communauté du logiciel libre et de la part d'instances comme le CNLL. Alors c'est une nouvelle qui est apparue un peu comme une fuite. Personnellement c'est Thierry Ster qui m'a envoyé le lien vers ce fameux document via Twitter. Alors ce document, que l'on appelle déjà la circulaire Hérault, du nom de son signataire, qui comme vous le savez est notre Premier ministre, est donc adressé à l'ensemble des ministres du gouvernement. Et c'est un peu la nature de cette communication qui donne son poids au document. Document qui est le fruit du travail de la DISIC, donc la Direction interministérielle des systèmes d'information et communication. Donc cette circulaire présente les logiciels libres et leurs différents avantages en mettant en avant les contextes qui sont favorables à leur utilisation, tout comme ceux qui le sont moins. Alors sur ce dernier point, j'étais un petit peu étonné de voir que les logiciels de gestion comme les ERP apparaissaient dans les cas défavorables où il est recommandé de laisser les éditeurs de logiciels œuvrer. Bon, il existe pourtant des ERP libres développés par des communautés comme Dolibar. Alors le document semble appuyer une vision du logiciel libre constituée de modules très unitaires qu'il faut ensuite assembler pour construire une solution utilisable. Donc une approche valable peut-être pour les entreprises et les administrations, mais moins lorsqu'il s'agit de fournir des logiciels libres à des utilisateurs du grand public. Alors on trouve aussi une série de recommandations pour bien utiliser les logiciels libres. Alors parmi celles-ci, l'importance de la mise en commun et la convergence des développements réalisés. Alors ceci, afin de permettre d'identifier donc les versions de référence et celles qui doivent être abandonnées d'un logiciel. Alors une approche qui doit éviter la multiplication des développements similaires ou redondants. Donc à ce titre, on peut voir là une sorte de mise sous gouvernance des logiciels libres et de leur développement au sein de l'État, ce qui me semble effectivement indispensable si on ne veut pas se voir se développer un grand bazar où chaque ministère développerait des outils quasi identiques, la meilleure façon de gâcher l'argent public. La contribution au projet n'est pas oubliée, sa nécessité est rappelée avec une proposition de réinjecter 5 à 10% des coûts de licence évités, qui est même formulée. Alors si ce document et la prise de position écrite du Premier ministre constituent effectivement une avancée significative, il reste à voir ce qui sera fait, ce qui sera dans les faits mis en œuvre au sein des différents ministères. On est encore très loin d'une position, de la prise de position façon Poutine, qui avait en 2011 fixé comme objectif de faire migrer la Russie vers les logiciels libres d'ici 2015. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain édito. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.